non, non! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Eh, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière? Eh ben, Hugo dort, alors. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo video gameplay a Playtale Innocence. Bueno, tenemos muy avanzado el juego ya, ¿eh? Muy avanzado, no sé cuántos capítulos son, el capítulo de hoy es el capítulo número 11. No recuerdo, bueno, no recuerdo, lo he visto por ahí, no sé si eran 16 o 15 en el juego, o sea que llevamos muy avanzado el juego. Bueno, aquí está el amigo Rodrik. Y ahí veis un parche de Ghost of Tsushima que ha debido saltar hace poco, ¿vale? Que se ha instalado. Aquí está el amigo Rodrik que nos dice que si queremos ver lo que hay detrás de esta puerta, pues claro, venga. Ya sabemos que el amigo Rodrik, aparte de acabar con los soldados por la espalda, también tira puertas abajo, ¿eh? Eficaz. Vale, vamos a mirar por aquí, a ver qué cositas hay para coger. Vale. Aquí no puedo subir porque la escalera solo está apoyada. Un endroit abandonné depuis très longtemps. Il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière. Non, non, polvo, sí. Pierre. C'est comme surprendre une conversation. Mm. C'est la première fois que je le sens ici. Azufre, ¿cómo voy? Pues que voy lleno de todo. ¿Eh? Mira, extingue y se apaga el fuego. Vale. Pero eso no gasta azufre, con lo cual no he hecho nada ahí. Nada, no puedo llevarme. Voy hasta arriba de todo. Venga. A ver dónde nos lleva Rodri, qué nos va a enseñar. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue? Sí, está un poco de ruido. Venga, bien dale. Sûr. Voyons où ça nous mène. Mira, un banco de mejora. Bien. Ça fera un raccourci. Un segundito, que vamos a ver si podemos hacer alguna mejora. Pues de cuerdas nada. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la Aquí nos falta, no sé, eso es cuero, creo que esto es piel, tampoco podemos hacer nada. No, nos faltan ingredientes para hacer mejoras. No podemos mejorar nada de momento. Venga, pues sigamos. Lo que no sé es para dónde ha ido este hombre. A ver. Mira. Cordel, 13. Ah, está ahí abajo. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. Mira, ya hay algo para coger. Amicia, viens voir ça. Tu vas aimer. J'arrive. Esto es alcohol. Y no podemos hacer nada tampoco. Vale. ¿Por dónde ha bajado? Ah, por ahí. Vale, por la escalera. No voy a tocar de momento eso. Vamos a bajar. A ver qué nos quiere enseñar el amigo Rodrik. A ver. Une fresque. C'est. Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia! Viens vite! C'est Hugo! Oh non. Hugo! J'arrive! T'as besoin de moi? Comment ça? Je t'appellerai! Allez! Allez! Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Je suis là, Lucas. Vite, Hugo. Oh mon Dieu. A ver. C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. Je sais bien, Amicia. Je fais de mon mieux. J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia, Lucas. Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Mélie, tu l'as retrouvée? Plus...
Plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on est venu parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie? Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Il la... Torture? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir? Non, on ne dit rien. C'est tout. Ah! Oh non! Hugo! Hugo! Ah! Ah! Le prochain seuil, ah! Il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi! Maintenant! Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis Itinera, quelques potions, et on y va. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Bueno, pues como veis, capitulito muy corto, que es... Prácticamente es un capítulo para... dar un poco de trasfondo a la historia. Aquí lo dejamos, chicos. Ya sabéis que estamos grabando a capítulo de juego, capítulo nuestro. Por eso hay vídeos que duran una hora y hay otros que duran como este, unos 8 o 9 minutos. Entonces, bueno, seguimos el próximo día. Estos capítulos, también os digo que os vienen bien, porque hay gente que tiene capítulos atrasados por ver. Entonces, al no ser muy largo, se puede poner fácilmente al día. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.